Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour installer la CTGP7 sur votre 3DS. Alors qu'est-ce que c'est que la CTGP7? C'est tout simplement le jeu Mario Kart qui a été eh bien, remodifié. En gros les courses sont custom, certains personnages sont custom. Donc custom c'est-à-dire qu'ils ont été modifiés, le sprite, les courses et tout. Donc pour installer la CTGP7, il va vous falloir dans un premier temps une console sous Luma 3DS. Alors qu'est-ce que c'est que Luma 3DS? Je l'explique très clairement. Luma 3DS est une console qui a été hackée avec SigHax ou Arnolfodorax, ça dépend quelle méthode vous avez suivi, quel tuto vous avez suivi et quelle chaîne YouTube vous avez suivi pour faire ceci. Donc voilà, là vous allez mettre votre carte SD avec un adaptateur comme celui-ci si vous n'en avez pas, à moins que vous avez un adaptateur internet dans le PC. Donc moi je mets mon adaptateur avec ma carte, voilà. Voilà, vous allez ouvrir le dossier CTGP7. Et dans ce dossier CTGP7, il va y avoir plusieurs choses. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le files. Le files, c'est le seul dossier qu'on va utiliser. Vous allez faire un clic droit, vous allez faire un petit copier. Et vous allez faire. Putain. Vous allez coller l'archive dans votre carte SD. Donc pour ma part c'est déjà fait, du coup je vais pas le faire. Donc hop, j'enlève la carte SD. Voilà, vous remettez la carte SD dans votre 3DS. Hop, je vais mettre le boîtier. Donc oui je sais, je devrais utiliser le FileZilla, mais j'ai la flemme. Donc du coup, hop, comme ça j'aurais juste eu un record la SD au PC, mais voilà. Donc là, je vais allumer ma DS. Et là, j'arrive sur mon menu DS. Vous allez devoir installer ceci, le CTGP7. Vous allez aller dans FBI. Pour l'avoir, vous allez aller dans FBI. Vous allez aller dans Title DB. Voilà. Vous allez aller dans les C et vous allez faire sur celui-ci Custom Track Grand Preset Install SIA. Donc moi je vais pas le faire, celui-ci est déjà fait. Vous allez lancer la CTGP7. Désolé si ça bouge. Donc là le NTR est en train de d'installer le hack. Voilà. Vous arrivez sur ce menu, donc vous allez lancer le Launch GP7. Voilà. Maintenant, il va falloir une cartouche Mario Kart 7 ou une version en CIA. Donc moi, j'ai usé la version en CIA pour la vidéo. Voilà. L'écran vert ne s'est pas fait. Il se peut que ça ne fonctionne pas. Hein. Donc là, ça n'a pas fonctionné. Donc, putain, il faut relancer le. On va relancer la CTGP7. Donc il ne se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Hop, là, ça m'a fait l'erreur. Super. Donc ça arrive que ça bug. Hein. Ne vous inquiétez pas. Vous allez relancer la CTGP7. Comme par hasard, il faut que ça bug en vidéo. Voilà, il faut attendre. Voilà. On lance le jeu Mario Kart. Voilà, l'écran vert se fait. Enfin, là on voit bien CTGP7 qui s'est lancé. Voilà le menu. Donc vous allez voir que certains joueurs ont été custom, notamment Yoshi qui est devenu rouge. Luigi qu'ils ont mis un espèce de masque. Et puis Mario doré, que j'aime beaucoup. Je le trouve vraiment classe, Mario, comme ça. On va faire celle-là. Donc voilà, je vous montre une petite démonstration de la CTGP7. Donc merci au créateur de ce jeu, hein, qui est Pablo MK7, si je ne me trompe pas. Donc je laisserai le site en description, tout en description, et puis voilà. Voilà, c'est parti.
Par contre, ça lag un petit peu. Donc voilà, on peut voir que c'est pas mal, hein. Donc à la place des carapaces, ils ont mis des œufs. Donc c'est pas mal, hein. Donc voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc si vous avez la moindre question sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye tout le monde.